Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo pour laquelle je ne sais pas encore le nom. Je reviendrai sur ce petit sujet par après. Alors là je vous montre à l'écran mon Traveler Notebook ainsi que un semblant de quelque chose avec les anneaux. Alors tout simplement en fait je veux remplacer mon Traveler Notebook par ce support là, donc avec les anneaux. Mais je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Bref, j'y reviens après. Mais tout simplement, en fait, je me retrouvais un petit peu frustrée. Car, vous le savez, donc le Traveler Notebook que j'ai acheté, ce sont toutes des pages aquarellables. Donc, c'est des pages super épaisses. Et donc, j'étais un peu frustrée des fois quand je voulais travailler dans mon Traveler Notebook. Ça m'est déjà arrivé de vouloir faire tout simplement du collage. Mais user du bon papier aquarelle rien que pour faire du collage, je trouvais ça moyen. Donc, j'ai réfléchi pendant plusieurs jours à quelle alternative je pouvais me retourner, tout simplement. Et donc, j'ai trouvé tout simplement cette alternative-là. Donc, utiliser la perforatrice pour planeur et les anneaux pour me faire un petit album Traveler Notebook. Mais je ne veux pas l'appeler comme ça et d'ailleurs, je ne sais pas comment je veux l'appeler. Donc, je vais faire appel à votre aide et voilà, je compte sur vous pour me donner des idées de comment je peux appeler ce carnet. Alors, pour rappel, dans le Traveler Notebook, j'y mettais les photos, les photos plic-ploc que je ne pouvais pas mettre dans mon Project Life parce que ça ne... ou parce que il n'y avait pas vraiment de thème et que je ne pouvais pas faire une page entière avec les photos là, ou les photos voilà, plic-ploc quoi. Donc voilà, je cherche un nom pour cette catégorie donc de vidéos, mais aussi pour le carnet en lui-même. Voilà, donc avec les gros anneaux, j'espère pouvoir faire des créations pour une année entière. Comme ça me fait qu'un seul album, ce qui n'aurait pas été possible par exemple avec le Traveler Notebook parce qu'il n'y avait pas assez de pages, je le sais déjà. Là avec les gros anneaux, j'espère pouvoir faire toute l'année avec, mais de toute façon quand il sera fini je vous le montrerai. Voilà, alors j'ai encore changé d'avis, mais voilà, comme j'étais frustrée pour les pages d'aquarelle, j'ai préféré me tourner vers autre chose, réfléchir à autre chose, parce que là comme vous pouvez le voir, j'utilise une feuille, donc je vous ai montré la marque, donc Flourish de Create Paper. Et voilà, si j'aurais voulu utiliser cette page dans mon Traveler, je l'aurais collé sur ma page aquarelle, mais ça m'aurait un peu fait tut d'utiliser une page d'aquarelle juste pour coller une feuille. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends tout à fait, c'est le principal j'ai envie de dire. Et donc voilà, donc le principe reste le même. J'y mets toutes les photos que je ne mets pas dans mon Project Life. Et c'est également un carnet qui va me permettre d'utiliser des nouvelles matières, donc tester des nouveaux produits ou user mon matériel qui dort dans mes tiroirs. Donc voilà, c'est vraiment de tout. Il y aura vraiment de tout. Ce sera multicolore, multimédia, multi-tout. Ça ne change rien là-dessus. Ce qui me permet d'ailleurs d'être encore plus multi-tout. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bref, je me comprends. Alors, voilà, donc... Je vous demande donc à l'aide pour le nom de cet album là. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais essayer de choisir au coup de cœur. Si je n'ai pas de coup de cœur, je ferai un vote. Je sais pas moi, je le mettrai peut-être sur Instagram ou autre pour que vous votiez pour le nom de ce fameux album. Voilà, donc si vous avez une idée, allez-y, à vos claviers. Moi, franchement, j'ai pas d'idée. J'ai pas réfléchi non plus 106 heures, mais voilà, très vite, je me suis dit, oh, ben, pourquoi pas essayer de demander
à mes abonnés de me donner une idée de nom, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Donc, alors là, j'utilise la collection donc Flourish de Crate Paper parce que j'ai envie de la passer. Il ne me reste plus grand-chose. Enfin, j'avais pas non plus pris grand-chose, il me semble, de cette collection. Mais il me reste donc une seule page 30x30, des stickers et le bloc de papier, le petit bloc de papier. Et donc voilà, j'aimerais bien le passer. Donc j'ai décidé de faire ma page là avec cette collection là. C'est une photo pour mes 3000 abonnés. Oui, c'est ça, je crois. Je ne sais déjà plus. Je regarde. Oh là là. Oui, 3000 abonnés. Et voilà, donc j'avais envie de faire une page avec cette photo là. Et franchement, je suis vraiment contente du résultat final. Alors, j'ai utilisé un pochoir de la boutique de Romain, mais ce n'est plus disponible parce qu'il a perdu tous les anciens designs et compagnie. Mais je ne sais pas s'il va, il va le refaire ou pas. Franchement, c'est un pochoir que j'affectionne tout particulièrement. Il est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Et donc j'ai utilisé ma mousse Nuvo. Alors, à l'heure où je vous parle, la vidéo du challenge zéro achat ou presque est en ligne. Et mon Nuvo est presque vide. J'espère que d'ici les 3 mois, il ne sera pas totalement vide et que je ne serai pas en manque de ce produit. Justement, Stéphanie, quand elle est venue chez moi, m'a dit moi, j'ai presque plus de Nuvo doré, il faut que j'en rachète. Et c'est vrai que moi, j'y ai même pas pensé. Donc, j'espère que j'en aurai toujours assez. Parce que c'est vrai que, enfin, c'est en voyant l'usure du produit que je me dis en fait, je l'utilise quand même pas mal. Mais bon, voilà, hein, 3 mois, 3 mois. J'espère que je vais tenir. Vous avez été plusieurs à dire que vous alliez y participer. Donc n'hésitez pas à vous manifester ici. Je pense que je vais peut-être créer un petit groupe sur Facebook pour ce petit challenge. Pourquoi pas? Ça peut être chouette de pouvoir se tenir au courant et faire un petit groupe. Ouais, je pense. Je pense, je pense. Je vous mettrai de toute façon le groupe en barre d'infos si j'en fais un. Oui, je pense que ça peut être marrant de se tenir comme ça au courant tout ensemble. Si vous voulez participer même à partir de maintenant, donc la vidéo va sortir le 6 juin. Si vous voulez participer à partir d'aujourd'hui, n'hésitez pas donc à nous rejoindre sur le groupe. Voilà, c'est décidé, je vais faire le groupe. C'est décidé. Alors là, je suis en train de placer des die-cuts. Donc je mets smile. Et l'autre expression, c'est je regarde sur ma feuille, celebrate the little things. Donc, c'est célébrer les petites choses. J'essaie de retenir. Hein. Vous voyez l'effort que je fais en anglais, franchement, nickel. Alors, je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Madame Dory est de retour. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh là là. Bref, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Si pas, ben, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Hein? Bon. Alors, pour l'instant, l'album, je sais pas comment l'appeler, donc je l'appelle l'album, ne se tient pas bien vu qu'il n'y a que quelques feuilles avec les gros anneaux. Donc, il n'y a rien qui tient. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il commence à se remplir pour que les anneaux tiennent correctement et que je puisse le feuilleter correctement également. Alors au niveau de la couverture, ça, à mon avis, je la ferai en fin d'album. Voilà, je pense, oui. Je pense, je pense. Alors, tant qu'on y est, parce que c'est une page qui fête les 3000 abonnés, je tenais à vous remercier donc pour tous vos nouveaux abonnements. Donc, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Ça me fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter malgré tout, parce que ça prouve que, en quelque sorte, ben, on aime ce que je fais. C'est toujours gratifiant, tout simplement. Et donc, franchement, je suis très contente. Vous êtes beaucoup à interagir sous mes vidéos, à mettre des pouces en l'air et compagnie. Donc, franchement, ça m'encourage et j'adore, j'adore!
Donc, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ici, je pense que je vais atteindre les... Oh là là. Les 4000 ou les 5000? Là 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 là. La mémoire, quand tu nous tiens. Les 5000, voilà. Ici, à l'heure où je vous parle, je suis à 4921 abonnés. Alors, je pense que ce n'est pas un effet de mémoire qui me joue des tours, mais en fait, ça me fait bizarre de me dire que la photo des 3000 abonnés date de février, donc 3000, et que là, je vais être à 5000 au mois de juin. Ça a été vite, dis donc. Voilà, il n'y a rien à faire. Depuis que je ne travaille plus, je fais beaucoup plus de vidéos. Peut-être que c'est ça qui fait que. Mais voilà, je suis bien contente. Je suis même très, très contente. Voilà, je ne pourrai jamais en vivre, hein. Mes vidéos sont monétisées et compagnie. Mais ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Quel rêve ce serait de pouvoir en vivre. Mais bon, un jour, il faudra que je reprenne le boulot, malheureusement. Et là, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en plus? Ah ben, si je faisais du journaling. Et donc, j'explique tout simplement que je suis contente d'atteindre les 3000 abonnés et que mes vidéos plaisent de plus en plus. Voilà, voilou. Voilà donc, ben, je n'ai plus grand-chose à dire sur cette page et à dire tout court en fait. Donc, ben, je vais vous laisser là en musique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et je vous fais de gros gros bisous. Salut!